M'a salué nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ça que moi-même Fred Andro a animé. Une vidéo qui va parler de basketball, basketball en tant que sport. Qui ça basketball là est, qui j'en basketball là jouer, règlement, équipement, tout et tout. Basketball c'est sport qui joue à 5 contre 5. Deux équipes sur le même terrain, 5 contre 5. Chaque équipe a 5 joueurs. Ils jouent sur un terrain à surface rectangulaire, dimension terrain 28 mètres par 15 ou 26 mètres par 14. 28 mètres de long, 15 mètres de large, ou bien 26 mètres de long, 14 mètres de large. Ils jouent avec un ballon sphérique, un ballon rond, de couleur orange. L'objectif de là, c'est pour faire passer le ballon dans un panier qui a 3,05 m de hauteur par rapport au sol. C'est l'objectif de là, ça. Et traçage terrain très intéressant. Parce qu'on a deux lignes de fond. Il faut que moi, le terrain basket là, il doublement et symétrique, et en longueur et en largeur, sans joindre son terrain, non, bon terrain, c'est les mêmes schémas avec même dimension, ou à joindre sur l'autre bon terrain. Ou à joindre une ligne de fond. Ligne de fond, contrairement à football, de groupie, l'île ou à out. Parce que en football, les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Mais en basketball, depuis que vous touchez la ligne, dépendamment de qui côté vous situez, vous êtes capable in ou capable à out. Sous tes deux, mettre font remise en jeu wap in mais souterrain wap font passe par exemple ou bien wap dribble ballon puis au souligne là wap out gain ligne médiane là donc ligne médiane là comme son nom l'indique les couper terrain en deux parties égales et puis on va joindre arc la ligne à trois points. La ligne à trois points qui est importance li dans NBA par exemple il y a 6,75 mètres. Il y a 7,23 m, pardon. Dans NBA, 7,23 m par rapport à panier. Mais dans FIBA, il y a 6,75 m. Donc, il est plus loin dans NBA que dans FIBA. Donc, dimension dépend de fédération, dépend de qui compétition on va jouer, dimension terrain. Mais, ligne 3 points, qui est important, c'est que l'on shooté par rapport à des ligne 3 points, eh bien, il vaut 3 points si l'entrée dans panier. Si vous shootez en dans ligne, ou bien pioté sur ligne là la bonne valeur de 2 points. OK, ou capable faire un point tout sous shooter à partir d'un lancer franc. Là ça ou sous et la ligne des lancers. La ligne des lancers lui-même, les parfois trapèze, parfois il gain forme rectangulaire tout et puis en dedans ou jeune ça relé et raquette là, la zone restrictive. Raquette là ou pas capable passer plus que 3 secondes là-dedans sans que ou qu'à voyager là-dedans. Mais ou pas capable passer plus que 3 secondes sans que ou pas marquer un adversaire, là ça va parler de défense illégale. Ou pas capable passer 3 secondes en dans raquette là en attaque tout sans que ou pas démarquer, sans que ou pas dribbler ballon, là ça il y a parlé de faute offensive les équipes à pas attaquer. C'est ça qui gagne dans basket là, logique là, pas gain match nul dans basket. Tout autant match fini nul. Temps réglementaire là fini nul et bien il a prolongé match jusqu'à ce que vous jouiez un vainqueur. En NBA, un match basketball durait 48 minutes. C'est 4 quarts temps de 12 minutes. Il divisé temps en 4 parts égales. 4 fois 12, ça vaut 48. Mi-temps, c'est 24 minutes. Donc, c'est 110 peut-être. Et mi-temps, c'est 24 minutes. C'est tout ça qui gagnait dans le sport et le basketball là, parce que dans l'autre édition, on a beaucoup plus d'explications sur ça qui est le basketball là, et nous allons entrer dans le règlement basket là, avec ça, les violations de 24 secondes, violations de 14 secondes, violations de 3 secondes, violations de 5 secondes, violations de 8 secondes, nous allons parler de tout ça dans l'autre sortie.